J'ai beau être un type plutôt bien dans sa peau, il y a un truc flippant qui revient toutes les semaines dans ma vie. Ce truc flippant s'appelle dimanche. Le dimanche, c'est tellement le néant existentiel absolu, bah que la meilleure des solutions, c'est déjà d'en zapper la moitié. Plutôt bien dans sa peau. Il y a un truc flippant qui revient toutes les semaines dans ma vie. Ce truc flippant s'appelle dimanche. Le dimanche, c'est tellement le néant existentiel absolu, bah que la meilleure des solutions, c'est déjà d'en zapper la moitié. Rosine, devine qui vient déjeuner. Alors un dimanche qui commence par une surprise, c'est pas franchement le paradis. Mais bon, c'est déjà un peu moins l'enfer que d'habitude. Tu me prendras des fleurs de courgette. Je les ferai au beignet pour l'entrée. D'accord. J'en ai. Alors, mon grand, on commence à faire le tour du cadran. Qu'est-ce que c'est que cette frénésie, là, un dimanche matin? Ton frère vient déjeuner. Bah, Jérémy, il ferait 600 bornes comme ça, juste pour nous voir un dimanche. Vous trouvez pas ça louche? Quand tu bosseras comme lui, tu comprendras qu'on peut avoir envie de venir se détendre chez ses parents de temps en temps. Et si quelque chose n'allait pas? Et si quelque chose allait bien, justement? Qu'est-ce que j'ai fait de ces clés? Être couché. Debout à 9h un dimanche, c'est violent. C'est marrant, les parents. C'est peut-être les seuls gens sur Terre qu'on peut admirer vraiment, tout en les trouvant vraiment ringards. I am the king of the divan. Et toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu viens foutre en Gironde un dimanche pourri? Bah quoi? J'ai plus le droit de venir à l'improviste? Bah à l'impro, c'est pas vraiment ton style. J'ai décidé de leur dire la vérité. Quoi? Tu vas leur balancer là maintenant? Sans doute pas un peu, tu crois? Attends, Atox, elle a super bien marché. Ils sont persuadés qu'ils ont mis au monde un robot programmé pour réussir. Non mais attends, t'as décidé de les achever aujourd'hui ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je sais pas. Ah si. Je vis avec quelqu'un. Eh, fais gaffe, leur dis pas comme ça, ils vont croire que c'est une nana. Là. Ça va, ils sont plutôt ouverts d'esprit. Hein. Parce qu'ils votent à gauche? Non, mais maman, elle bosse avec un homo. Non mais attends, Jérémy, je sais pas de s'appeler le moral, mais bon, le boulot des parents, c'est un truc, c'est quand même de flipper. Jérémy! Tu veux que je vienne avec toi? Ça va, tu veux pas leur dire à ma place aussi? Regarde-moi ça. Château les Vieux Rock 73. L'année où t'es né. Attends, c'est pas un peu too much pour ce midi, papa? Ah non, bah attends, celle-là, je la garde pour une grande occasion. Mariage, naissance, ça dépendra de toi. Hein? Guy, oh. Oh là, le chapeau fume beaucoup, hein? Oh, c'est pas bon pour ses poumons, ça. Allez. Bon, on va voir quoi. Ça, c'est très bien. Allez. En fait. J'ai quelque chose à vous dire. Ouais?
Oh, toi, tu l'as su avant nous, je parie. Bah ouais. Et alors, il dit que c'est annoncé dans un magazine, en plus. Waouh. Avec photos et tout. Ah, carrément, mais j'hallucine, là, on parle bien de... Oui, oui, je l'aurais dit pour mon nouveau boulot. Directeur du département fusion-acquisition d'une grande banque de placement. À 33 ans, moi, je dis monsieur. Il y a autre chose, mon chéri? Je déménage. 150 mètres carrés dans le troisième. T'aurais pu nous l'annoncer par téléphone, j'étais inquiète, moi. Bon, bah, tous les grands changements de ta vie, hein, frangin. Ma mère a un tic avec Jérémy. Elle n'ose jamais lui demander directement s'il a rencontré une fille et s'il a envie d'avoir des enfants. Alors elle essaye de le sonder avec des banalités. Cet appartement, c'est grand? Tu vas pas te sentir tout seul? Tu sais, avec le travail, j'y suis presque jamais. Non, j'y dors, c'est tout. Il y a combien de chambres? Une seule. Dans 150 mètres carrés? Et c'est un loft. Ah! Oh, mes enfants, allons-y, c'est prêt. Vous gardez vos verres. Ça va être chouette, hein? Super, ton coming out. T'y voir, tiens. Désolé, moi, j'ai pas de coupe à leur annoncer. On peut leur dire que tu fumes, par exemple. Bah, papa, il s'enfile des whisky, maman des médocs. Chacun sa façon de voir la vie en rose ici, de toute façon. Bon, et puis tu sais, t'es pas obligé de leur dire aujourd'hui non plus. Au pire, t'as perdu une après-midi avec nous, c'est tout. Ah, t'es de conne, oui. Bon, allez, pas dans ta banque, là. Tiens, décompresse. Profite un peu de ton séjour ici. Regarde, ils sont trempés. Il n'y aura pas le temps de sécher avant de partir. Laisse-le se détendre. Garde-moi ça, directeur de banque. Ils vont être plus du mal. Ah, la sexualité des vieux, mais c'est trop gore. Sale petit pervers. Je suis plutôt en forme, moi. Papa, surtout. Je me demande souvent ce que ferait maman si elle n'était pas là. Ben, moi, c'est la verre, je me demande qu'est-ce qu'il ferait sans elle. Il vivrait sans angoisse. Tout serait toujours super clair, simple et bien organisé. Ouais, bah, il aurait la vie la plus banale du monde. Franchement, qu'est-ce qui se ferait chier, hein. À moi la chance. J'avais pas fait assez à déjeuner ou quoi? Je pense pas trop jaune. Puis il pouffe bêtement, lui, là. Ah, tu sais, la frontière entre surdoué et demeuré, elle est plutôt mince, parfois. T'as raison, t'es pas encore passé du bon côté, toi. Tiens. Tiens, mon chéri, j'ai pas osé mettre ta chemise au sèche-linge, elle est trop belle, hein. Merci, maman. Ah, mais non, mais ne taxe pas mon t-shirt. Calme-toi, Bob. Ma secrétaire te l'envoie demain matin à la première heure, en plus urgent. Ça te va? Ah, remarque, pour ton job, ce serait pas mal, hein. Bonjour, Jérémy Dumas, directeur fusion-acquisition. Allez, laisse-le, il faut qu'il y aille. Eh bien, je peux le reconduire. Je peux prendre ton 4x4, s'il te plaît, papa. Tu fais gaffe, hein. Mais oui. Ça nous a vraiment fait plaisir que tu débarques. Ta mère et moi, on est... Oui, ah, allez, pas de discours, il faut qu'il y aille. J'ai quand même le droit de dire à mon fils qu'on est fiers de lui, non? Et non, maintenant que t'as fait tes preuves côté boulot, tu pourrais peut-être commencer à penser à nos petits-enfants, tu crois pas? En fait, j'ai quelqu'un dans ma vie. Il s'appelle Marc. C'est un homme. Voilà, vous savez. Vous faites là? Tu déconnes ou quoi? Tu nous as dit de passer, on est venu voir le prodige. Qui?
Salut. Comment tu vas, toi? Alors, qu'est-ce que tu deviens? Rémi est directeur du département fusion-acquisition à sa banque. Mon salaud, tu dois pas être fier déjà. Bon, allez, gérer là, faut qu'on y aille, tu vas rater ton train, ouais. Bah, t'as pas l'air d'assumer, on dirait. Assumer quoi? Pour un DRH gauchisant, avoir un fils à fond dans le système, ça doit pas être facile. T'es content de toi? Content, c'est pas le mot. Bah, je suis pas expert en coming out, mais bon, dans le genre, on peut trouver plus courageux, je crois. C'est mon problème, non? Bien sûr, t'as lâché ta bombe, tu retournes à Paris. C'est con, tu seras pas là pour voir les dégâts. Ça risque d'être assez fun, quand même. Je suis sûr qu'ils vont s'y faire. Mais t'es jamais là, alors pour eux, comme pour tout le monde ici, t'es devenu un mythe. Et les mythes, c'est pas censé aimer les bites. Bon, tu vas t'en sortir avec les parents? Bah écoute, s'ils me prennent pas la tête tout de suite pour avoir des petits-enfants, ça va, hein. Ah, viens là, toi. Ça va, t'as rien de grave? Oui, maman, je suis en parfaite santé. Jérémy, on t'aime. L'important pour nous, c'est que tu sois heureux. Mes parents sortent des trucs en y croyant tellement. Ce serait nul de leur dire qu'ils sont pas crédibles un instant. Mais comment ils pourraient être heureux pour leur fils de quelque chose qui les rend, eux, si malheureux? J'ai froid. Robin le savait. Tu t'en doutais, toi? Au fond, je crois, oui. Ah, merci de m'avoir prévenu. Je t'en avais parlé. Le fait qu'il ait personne dans sa vie. Ouais, mais enfin, avec toi, ses bronchites, c'était des pneumonies, ses torticolis, des méningites. Quand il avait un coup de fatigue, il faisait une dépression. Alors forcément, pas marié, il était pédé, mais bon. N'en dis pas ce mot-là. Qu'est-ce qu'il faut dire? Homosexuel. Excuse-moi. Allez, viens. C'est pas si grave. Il aurait pu lui arriver pire. Avoir un accident de voiture, une maladie orpheline, un cancer, être victime d'un attentat, d'une agression, je sais pas. Non mais arrête! Quoi? Non mais c'est quoi ça? La liste des pires atrocités qui peuvent frapper un enfant? Pendant toutes ces années, il nous a caché sa vraie vie, à nous, ses parents. Les somnifères, tu crois que c'est vraiment une solution? De sa vie, quand on dort pas de la nuit, c'est qu'on fait la fête avec les copains. C'est vraiment marrant. Putain de bordel, le chat de merde. Ah.
passer l'âge de faire la fête toute la nuit. Pas dormir, c'est vraiment angoissant. Arrivons enfin à trouver le sommeil, ça manque pas. Pour se lever, parce que la vie continue. T'as réussi à dormir, toi? Avec les cachets, parfaitement bien. Y a Nicole qui vient dîner, je prends quelque chose? Tu veux pas décommander? Pas à chaque fois. Le congélo est plein, non? Saloperie de vie qui continue. Eh ben, il doit pas manquer de candidate au mariage, hein? Oh. Ah, il doit être fier de son fiston, hein? Un enfant qui réussit aussi bien. C'est presque un miracle biologique. Comment un type comme toi fait pour avoir un gamin aussi intelligent, hein? Ça y est, tu l'as annoncé à tout le monde. Oh, comme si t'avais pas le faire. Enfin, moi, dans ma prochaine vie, plutôt qu'un divorce et un fils à problème, ben moi aussi, je veux une petite famille sympa, un fils brillant, mais je garde ma liberté et les nanas. Eh ben, elle tiendrait pas longtemps, ta petite famille sympa. Tu te retrouverais vite avec ta petite vie à toi. Ta petite vie sympa. Quoi, c'est la demande d'augmentation au poste de montage qui te met de mauvais poil? Et Rosine, comment elle fait? Vous aimez l'art contemporain, je vous laisse l'article sur l'exposition à la maison de retraite. C'est gentil, non? Ah, puis là, j'ai un beau fait divers aussi. Une femme obèse qui est restée coincée dans sa baignoire pendant toute une nuit. Les pompiers ont utilisé 12 litres d'huile pour la libérer. On va mettre une photo des pompiers, hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Bon, Rosine, c'est quoi votre problème, là? Hier, Jérémy est venu nous dire qu'il était... comme vous. Chauve. Vous avez attendu longtemps pour le dire à vos parents? Oh, pas tellement longtemps qu'ils sont morts avant, hein. Vous savez, j'ai une sœur qui est complètement timbrée. Ah ouais? Bah, je vous pose pas de questions pour savoir comment la comprendre. Sous prétexte que vous êtes hétéro et marié comme elle, non? On se connaît depuis combien de temps, nous deux? Ça va faire aller 6 mois, c'est ça? Eh bah, je peux pas devenir comme ça du jour au lendemain votre conseiller spécial en homosexualité, vous voyez? D'autant que votre fils et moi, là... on n'a sûrement rien en commun. Bon, écoutez, vous m'énervez. Allez. Là, il y a un tournage au Château de Verre demain. Vous y allez. Ça va me détendre. Puis vous aussi, hein. Allez. Allez. Où tu vas, toi, encore? Avec des potes. Tu peux pas rester, pour une fois. Pour dîner avec Nicole? Mais t'es malade. Je suis contre la tabagie passive. C'est pour Jérémy. Tu t'en remets pas, hein?
J'ai pas grandi avec le Pax et la Gay Pride, moi, qu'est-ce que tu veux. Mais t'es quand même censé avoir connu mai 68, la libération sexuelle, tout ça. La libération sexuelle, c'était différent, la libération sexuelle. Ouais, c'était surtout un prétexte pour se faire plein de nanas, pas vrai. Bah ouais, mais vous avez loupé le truc. Il aura fallu qu'une maladie fasse des tas de morts pour vous regardiez vraiment les homos en face. Excuse-moi, ça m'a jamais posé de problème. Mais quand c'est ton fils... Salut, qu'est-ce que tu dis, on te voit plus? Bah rien, je donne avant la fac. Bon allez, salut. Ça te va bien les fleurs? Ah si. Rosine va pas tarder. Elle termine un article. On mange sur la terrasse. Je mets les assiettes de la salle à manger. Tu connais la maison? Ben, bien sûr. Mais il a pris le temps qu'il lui fallait pour vous l'annoncer, c'est tout. Ça y est, le débat est public. Oh, je comprends que tu sois sous le choc, Guy, mais tu ne t'en doutais pas du tout. Toi aussi, tu l'avais deviné? Si j'avais des enfants, je me poserais des questions, forcément, enfin, je crois. Enfin, Jérémy, il y a eu des histoires avec des filles. C'était pas seulement platonique. Ah, bêtement, j'ai cru. La question réglée. Mais quand il était au collège, ici, il y a eu Eric. Eric, le fils de Madame Lechard. Ils étaient tout le temps ensemble, il y avait cette complicité entre... Mais c'était son meilleur copain. Tu pourrais aussi te demander si Robin couche avec ses potes quand il reste dormir chez eux, arrête. Mais pourquoi pas? Eric est homosexuel. Hein? Ouais. Sa mère le sait depuis longtemps, elle en parle très simplement. Mais pourquoi Jérémy nous a rien dit à nous? Peut-être parce que Jérémy sait pas trop ce qu'il est. À mon avis, il aime les filles aussi. Ah, tu crois? Il est peut-être bisexuel. Peut-être bi, comme on dit. Oh, la bisexualité, j'y crois absolument pas. Non. Un chercheur américain a démontré que l'identité sexuelle, c'est une question de liquide dans le cerveau. Et en disséquant des homosexuels... Il dissèque des homosexuels? Oui, il est médecin légiste, un truc comme ça. Il a remarqué que le cerveau des homosexuels est beaucoup plus lourd. Bah, qu'il y avait plus d'eau. Nicole, mais tu vas arrêter un jour de dire des conneries! Oui, allô? Bonsoir, papa. Ah, bonsoir, mon gars. Ça va? Pour hier? Oh, bah, le ciel nous a un peu tombé sur la tête, mais ça ira. Ce serait bien si maman et toi, le week-end prochain, vous rencontriez Marc, non? Qui ça, Marc? Mon ami. Bah, c'est-à-dire samedi, on a un barbecue ici, alors... On va peut-être attendre avant de le présenter à tout le monde, non? Si vous veniez déjeuner dimanche à Paris. Parfois, on se pose tellement de questions abstraites qu'on en oublie les plus concrètes. Mais comment on peut faire l'amour avec un homme? Ouais, comment? Désolé de m'en être pris à Nicole. J'avais pas envie de parler de tout ça avec elle. Pas aujourd'hui. Faut bien qu'on en parle. Tu l'as dit à quelqu'un, toi? À Pascal? Ça la regarde. T'as honte de ton fils? Ça va pas? Ah, j'ai pas un peu somnifère. Parle-moi si t'as besoin. Hein? Jérémy, tu crois qu'il... Quoi? Tu crois qu'il se fait sodomiser? Mais comment il peut se poser des questions pareilles?
C'est vraiment le plus important pour lui dans ce qui nous arrive. Mais les hommes ne pensent qu'au sexe. Et c'est pas qu'un cliché. Ça fait un moment qu'avec Guy, c'est plus tout à fait ça, non? L'image virile de son fils en a pris un coup. Ça le renvoie à sa propre image, forcément. Enfin, un homme sûr de sa virilité ne devrait pas se sentir menacé par des hommes qui se sodomisent, tiens, de plus sûr. Non, merci. Ah oui, mais enfin, là, c'est son fils, quand même. Et puis, Guy est plus sensible qu'il en a l'air, c'est son problème. Mais il est surtout beaucoup plus macho qu'il en a l'air. Il supporte pas de se remettre en question. Et quand une femme lui oblige, t'as vu l'autre soir? Mais si ça le travaille tant que ça, pourquoi il n'en parle pas à ses copains? Tu rêves ou quoi? Pourquoi les hommes passent leur temps à faire du sport ensemble? T'imagines qu'ils en profitent pour se confier? Tu les imagines, enfin, en train de se parler de ce qu'ils ressentent au fond d'eux? Oh, non. Ah, non, c'est des handicapés de la parole, oui. Tu noircis un petit peu le tableau, là, quand même. Oh, tu crois vraiment? Qu'est-ce que t'as? C'est somnifère, pas l'habitude. Mais t'as... Quoi? Un problème? Non. Enfin... Si. Avec Rosine. Merde. Truc de couple. Grave. Bon, bah... À plus. Hé. Hey. Quoi? Ça fait du bien de parler. De rien, vieux. Quand tu veux. Vous voulez que je vienne avec vous sur le tournage? Pour l'interview, ça va aller? Oui. J'y vais avec mon fils Robin, ça l'intéresse. Je vous rappelle que notre journal montre le dynamisme de la région. Et sans vouloir vous vexer, là, en ce moment, vous faites un petit peu peur. Allez, allez, écoutez, allez-y, parce que là, je supporte plus votre tête de Sainte Rosine, patronne des moments d'homo, là. Ah, demandez-moi ce que vous voulez, mais changez de tête. Non, non, vous aviez raison, on se connaît pas assez. Samedi, on organise un barbecue. Ça me ferait plaisir si vous... Stop. Ça me touche beaucoup. Mais le barbecue, un week-end avec la bourgeoisie locale, vous voyez, c'est un petit peu mon idée de l'enfer sur Terre. Vous comprenez? Vous pourriez pas être simplement gentil 5 minutes d'affilée? Oh, ben voilà. J'aime bien quand vous vous énervez comme ça. C'est très sexy. Hein. Bon, samedi, vous venez ou pas? Je verrai. En ce moment, il serait temps qu'on change un peu la télé. C'est vrai, t'as raison. Écoute, Guy, je sais pas encore combien on sera au barbecue, voilà. Mais non, je travaille. Je te rappelle. C'était pas ta mère qui était censée m'interviewer? Je sais pas comment ça s'éteint. Bah, regarde, maman, il suffit juste de le fermer. Ah, désolée. Encore une dernière question. Est-ce qu'il y a un rapport entre votre décision de tourner au Château de Verre et Sébastien d'Artenay? Sébastien d'Artenay? Le célèbre poète régional du 15e siècle qui habitait dans ce château. Ah. Non, ok, désolé. Ok, allez, c'est bon, on peut la tourner. D'accord. Bon, excusez-moi. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Je vous envoie l'article. D'accord, merci. Attends, maman, vous ne pas rester juste pour regarder une scène? Bah, écoute, si tu veux, tu peux traîner sur le plateau ce matin, d'accord? Allez. Ok, allez, on se met en place, s'il vous plaît. Mathilde, c'est bon? Emmanuel, c'est bon? Ok, Mathilde, on peut y aller? C'est parfait. Allez, en place de départ. Allez, silence, s'il vous plaît, moteur. Ça tourne. Eh bien, ça tourne, silence. Galant et courtisane, 17 sur 1, première. Action! Ok, coupé! Voilà, très bien, ok. On se remet en place, on va en refaire une, s'il vous plaît.
ça va. En plus, j'ai accompagné maman sur un tournage tout à l'heure. Ah, c'était génial. Ils m'ont invité un pot, j'ai pas tardé à y aller là. Tu préfères pas tendre la pelouse plutôt? Ah si, si, ouais, carrément. Ouais. Non mais attends, c'est urgent là. Ça fait deux jours que je te demande. Tu te crois où, à l'hôtel? T'as décidé de glander cet été, de te laisser entretenir par tes parents. Bah assume, mon vieux. J'ai encore le droit de te demander de m'aider, non? Il commence à me gonfler grave, lui. Hein. Ça agace ton père de te voir bronzer. Moi, j'adore. Je te trouve très beau. Ça en contient, la couleur. Tu te protèges, au moins? Tu mets de la crème solaire? Mais bien sûr, maman. À toute occasion, je reste couvert. Faut que tu sois gentil avec ton père. C'est pas facile pour lui en ce moment. Non, mais tu sais, s'il me prend pas la tête, moi, je suis gentil. Hein. Ok. Travail impeccable, hein. C'est toi qui as hérité de mon côté Manuel, c'est sûr. Bah, moi, je suis pas le génie de la famille. Je suis juste le type sympa, moyen, un peu bricoleur, quoi. Les moments où on travaillait ici tous les deux, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, tu sais. Ton frère est parti de la maison si tôt. J'étais tellement focalisé sur ses études. Je l'ai perdu de vue trop tôt, lui. Quand il te l'a dit, il a pas demandé pourquoi il était comme ça. Non, mais franchement, si ça t'intéresse, t'as qu'à lui demander. Hein. Moi, je suis pas son attaché de presse non plus. Quand même, te dire qu'il... Enfin, en tant qu'homme, franchement, quand tu penses à ce qu'il fait, tu trouves pas ça bizarre? Mais franchement, de quoi tu te mêles, toi? C'est mon fils, ça m'en un peu, non? Bah t'es mon père, non? Et est-ce que je te demande si t'encules maman, moi? Tu joues les types ouverts d'esprit, mais au fond, t'es qu'un pauvre nulard, hein? Pourquoi t'as giflé Robin? C'est mieux que tu saches pas, je t'assure. Il m'a dit que tu le bassinais avec Jérémy. Attends, tu lui as encore posé une de tes questions en dessous de la ceinture, là, c'est ça? Ah, bien sûr, pour toi, tout ça n'a plus beaucoup d'importance depuis longtemps. J'ai d'autres choses qui me viennent à l'esprit avant, figure-toi. Excuse-moi d'être un pauvre demeuré, que ça travaille encore un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma grosse, t'aurais pas pris du bide? Je te plais plus, c'est ça, hein? Au contraire, c'est ton côté gironde qui m'excite. Ça va, Guy? Oh, je vous ai pas dit. C'est Jérémy. Il est pédé. Non, non, mon, on s'en serait jamais douté, tu sais. Je te remercie, moi non plus. Ça ne se voit pas. C'est ce qui compte. Ouais. Ouais, l'important, c'est que ça l'handicape pas. Qu'il puisse avoir une vie normale. Même une vie nettement mieux que la normale. Et il fait quoi, son copain? Je sais pas, il est étudiant en art, je crois. Oh, bah c'est un petit jeune. C'est lui qui fait la femme. C'est logique, vas-y, Rébi. Il se dansait, toi. Non, c'est que ma mère François, c'est pas lui qui porte la culotte. C'est vraiment trop con. Non, non, je t'assure, Guy. En général, il y en a toujours un plutôt folle et l'autre plutôt mec. Là, le mec, c'est Jérémy, c'est sûr. En tout cas, ça me dit pas ce qu'on a foiré pour qu'il soit comme ça. C'est peut-être pas à toi de te poser la question. Comment ça? En général, ça arrive aux gamins qui ont eu un père trop autoritaire. Un peu le contraire de toi, quoi. Ou une mère qui les a trop couvés. Elle a fait attention à leur moindre bobo. Ouais, enfin, Jérémy, il a passé les 6 premiers mois de sa vie à l'hosto, il a failli crever. Pour une mère, ça marche forcément, vous croyez pas? On ne reproche rien à Rosine, Guy. Constate, c'est tout. Regarde, Robin. Lui, il est arrivé sans même rien demander. Il a toujours pété la santé. Même Rosine, ça l'a obligé à être plus détendu là-dessus, alors. N'empêche que lui, il a mes filles. Non? Ouais. Bah écoute, je suis ravi. Ça me fait. Bah moi aussi.
T'es encore là, toi? Ah oui, il nous a filé un coup de main pour ranger. Je crois qu'ils ont besoin de quelqu'un à la régie. Ça te dirait de travailler un peu? Bah ouais, carrément. Bah voilà, c'est fait. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment une femme intelligente comme toi peut lire des âneries pareilles? Ça détend, voilà, il y a des choses amusantes. La période céréale foqueuse, hein. Tu te sens concerné? Ça t'a fait du bien d'en parler avec Pascal et Serge? Quoi qu'en pensent les magazines féminins, le besoin de sentir la peau de sa femme contre soi, c'est aussi une forme de sexualité. Et quand ce désir-là s'en va, heureusement, la vie vous offre bien des compensations. Le plaisir de bosser... Mais regardez les résultats, un peu. Elle est pas possible en ce moment, cette augmentation. Faites chier la direction avec votre chanson. Bon, Louis, c'est pas le choix, cette fois, c'est la grève. Allez vous faire mettre. Et par qui? Guy? La complicité avec son fils. Tu seras là pour le barbecue demain, hein? Bah demain, je bosse. Comment ça, tu bosses? Mais j'étais engagé sur le tournage, ça t'arrive de m'écouter quand je te parle? Les délices de l'adultère. Et alors, hein, il veut quoi? Un paquet de cigarettes. Quelle marque? Je sais pas, une bonne. La simplicité de l'amitié. Pascal m'en a raconté une bonne. Tu sais à quoi on reconnaît un mariage homosexuel? Vous faites mon appart pour les histoires drôles maintenant? Faut pas fermer ta gueule, la boîtier. Attendons, Guy. Alors, même si la vie continue, parfois on est bien obligé de réaliser qu'elle a quand même un peu changé. Serge aussi vient avec toute sa smala. Il n'y aura jamais assez de viande, tu reprendras des merguez et des chipolatins. Tu t'es remis à fumer. Si la fumée te dérange tellement, pourquoi tu passes tout ton temps avec Nicole? Pas là ce week-end? Ben oui, je vous ai menti. J'avais pas envie d'avoir votre suicide sur la conscience si je vous disais simplement que j'ai pas envie d'aller à votre barbecue. Oh, Madame Lechabre, bonjour. Bonjour. Comment va Eric? Bien. Il a ouvert un salon de coiffure à Paris avec son ami. Et votre fils? Jérémy? Ça va. Il a un ami lui aussi. Excusez-moi, mais j'ai encore beaucoup de courses à faire. Très mauvais votre technique de drague. J'ai toujours essayé de me mettre en retrait, de ne pas étouffer mon fils avec mes angoisses. Résultat, une bourgeoise coincée est plus proche que moi de son fils homosexuel. Oh, Rosine, vous ne mettez pas dans un état pareil. Oh non, parce que sinon, moi, je vais me sentir obligé d'aller à votre barbecue. Et... Ça me ferait plaisir, Yvan. Vraiment. Oui, c'est simplement un geste politiquement correct, hein. Ou bien quelqu'un assure le quota des minorités dans votre garden party. Bon, c'est à quelle heure? 13h. 13h. Oh, c'est vraiment gentil de votre part. Bon, viens, on va voir les robes, faut que j'en jette quelque chose. Comment ça va? C'est Nico! Et en pleine forme! Oh, en pleine forme, moi aussi! Oh, ça a bien commencé. Tiens, regarde, qu'est-ce qu'il va amener, toi? Comment il fait pour en trouver une toujours plus mignonne que celle d'avant, ce salaud, alors? Un vrai homme à femme, hein, ton fils. Ce serait bien qu'il laisse un peu de vent aux invités, aussi. Tiens, ben, voilà Serge.
Yvon. Ah bah d'accord. Vous êtes déjà saoul, bravo. Merci. J'attends, je sais pas si vous pouvez laisser au mari. Bonjour Yvon. Arrête de boire, tu sais bien que ça te réussit pas. Bon, j'ai pas trouvé les merguez et les chipolata en compagnie, alors. J'ai oublié. Ça t'arrive de faire les choses correctement, parfois? Oh, papa, ne me laissez pas seul, par pitié. Je connais personne. Cette femme-là me fait très, très peur. Bonjour, je suis Nicole. Vous devez être Yvan. Alors comme ça, c'est vous qui martyrisez Rosine? Eh ben, ça nous fait déjà un petit point commun. Jamais tu t'étais permis de faire une réflexion désagréable devant quelqu'un. Qu'est-ce qui va pas, Guy? Hâte de boire. Tu vas être malade. Bon, on est à l'Imbergues près ou c'est autre chose? C'est à cause de Jérémy, c'est ça? T'es pas pareil depuis qu'il est passé. Bon, alors, je sais que pour toi, c'est différent, que ça te pose des problèmes par rapport à ta virilité. Nicole qui t'a farci la tête avec ses conneries encore. Guy, le barbecue! Oh, merde, merde! Là, c'est cuit, hein. Hé, hey, Guy, ça crame, là! Merde. Oh, putain, merde! Tout ça, c'est de ta faute! Chérie. Bon, je vais le mettre dans l'eau, moi. Oh, merci. Une réussite, ce barbecue, hein. Qu'est-ce qu'ils vont raconter, maintenant? Le barbecue, je m'en fous. Mais demain, avec Jérémy et son ami, t'as intérêt à faire un effort pour que ça se passe bien. Putain, chier! Allez, t'habites pas pour tout à l'heure. Ça arrive. C'est pas une raison pour laisser l'autre en pâté gagner, là. Gros pédé, va! Désolé, Guy. Ah non, bah ça va, t'excuses pas, c'est pire. Calme-toi un peu, Guy. Serge s'excuse, par égard pour toi. Attends, depuis quand on me traite avec des égards? J'en ai rien à foutre de vos égards, j'en veux pas. Je vous fais tellement pitié, c'est ça? T'es complètement parano, mon pauvre vieux, hein. Bon, allez, je sers. Ouais, attends. Allez, vas-y, allez, sois honnête, dis-le. Ça ira mieux après, hein. Un fils pédé, c'est la honte, hein. Hein? Un prix de justice, finalement, c'est presque mieux, non? Connard, là. Ouais, connard, ouais. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Guy? Quoi? Quoi? Attends, mais attends, toi. Tu verras, sur tes trois filles, il y en aura bien une Gwyn. Remarque, toi qui rêvais d'avoir un garçon, fais gaffe, hein. Guy, t'as vu l'heure? Il n'y aurait qu'une seule façon agréable de se préparer à aller rencontrer le petit ami de son fils pédé chéri. Se siffler tout seul avant. Un bon château, les vieux rocs 73 au fond de la cave. Bah, si tu veux pas venir, tu peux le dire franchement. J'espère que ce Marc est pas trop efféminé. Pardon? J'espère qu'il est pas trop folle, c'est tout. Paris! Tu connais pas la route? Ah, merde. C'est drôle. On passe sa vie à côté d'un homme à avancer dans la même direction et un jour on réalise qu'on est toujours assise à côté de lui mais qu'on a pris deux routes différentes. Il suffit d'affronter la même épreuve pour se rendre compte que tout vous sépare. Ça va? Oui. Prêt. Allez, restez pas là. Bonjour. Non, papa, je vous présente Marc. Quand l'un s'empêche de hurler d'horreur, entrez, l'autre s'empêche d'hurler de rire. Très bien.
vous en prie, allez-y. Le salon. Je vois qu'il donne directement sur la terrasse. Ça va être très agréable. Pas de visage. Découvrir sur le tard la vraie vie de son enfant, c'est en fait aussi étrange et gênant que rentrer un jour chez des parfaits inconnus pour visiter leur appartement. À la différence près que vous n'êtes pas autant concerné par leur intimité. Voilà la chambre. C'est très original, n'est-ce pas, Guy? Ah, c'est le même modèle d'interrupteur qu'à la maison. Hein. C'est des modules de forage, ça, non? Des 34-420. On en fabriquait à l'usine. Marc aime bien l'art industriel. Oh, c'est étonnant, cette photo. C'est un artiste connu? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. C'est le travail de Marc. Bravo. Merci. Jérémy m'a dit que vous aimiez beaucoup l'art contemporain. Tu trouves pas ça beau, Guy? C'est quelle partie du corps, en fait? Est-ce que ça compte vraiment? Le corps, ça paraît concret, mais en vérité, on ne connaît le corps de l'autre qu'à travers des bribes. C'est un peu comme les sentiments, quelque chose qu'on a envie de saisir complètement, mais qui nous échappe, toujours. Non? C'est un portrait de Jérémy. Avec cette bouteille, mon chéri. D'habitude, c'est moi l'étourdi. C'est la cuisine. Jérémy, non? Non, ça va, merci. Un petit peu? C'est non. Bon. Vous êtes étudiant? Oui. Ouais, je sais que je n'ai ni l'âge, ni le look. Marc avait une agence de pub. Mais il l'a vendue pour reprendre ses études d'art plastique. Écoutez, j'ai tellement bossé qu'un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, parce que j'en avais marre. Et je me suis dit que j'allais me consacrer à ce que j'aime vraiment. L'art et la cuisine. Voilà. C'est très bon. Très bon. Merci. Guy cuisine très bien aussi. Je sais, Jérémy fait souvent la comparaison. D'ailleurs, pas souvent à mon avantage. Hein. Tu t'es mis à la cuisine il y a un an, c'est normal. Ça fait 30 ans que mon père nous mijote des petits plats. Il a des années de pratique. Il cuisine en chantant à tue-tête avec un grand tablier à fleurs. C'est... Non. Je sais. Ah, quand je veux bien que quelqu'un l'utilise, non? Je sais pas qu'il a été assez con pour te l'offrir à toi, mais... Au revoir. Au revoir, Marc. Au revoir. Rentre très bien. Au revoir, Marc. Merci. Je vous en prie. C'était horrible ou ça s'est bien passé? Un peu les deux, je crois. C'est normal, non? Comment t'as trouvé mon père? Ton père, c'est pas facile pour lui. Hein. Oh, j'ai adoré sa remarque sur les... module de forage. Arrête. J'ai cru que t'allais lui répondre quand tu t'as demandé pour la photo. Eh, tu vois, des fois, ça sert de jouer à l'intello. Hein. Ma mère? Ta mère? Ta mère, elle est dingue de toi. C'est une vraie torture pour elle de pas pouvoir le montrer. J'aimerais pas être à sa place. Pas super aphrodisiaque, hein, la présentation aux parents. C'était dur pour eux, tu sais. C'était dur pour eux, mais ils étaient là. Ils sont venus pour toi. Tu te rends compte de tout le chemin qu'ils ont fait? Tu réalises la chance que t'as? Hein? Ouais, j'ai de la chance. T'es là. Tu fais un peu robot, toi, hein, quand tu dis ça. C'est marrant. Ce que me dit souvent mon petit frère. Ah bah tu vois, ça doit être un rusé celui-là.
Allez, viens dans mes bras, Goldorak. Un café, s'il vous plaît. Un double scotch. On a encore de la route à faire. Alors, un café. Avant, il y avait un vide énorme dans ma vie. Mon fils n'avait personne, personne ne l'aimait. Voilà, ce vide, c'est fini. J'ai pas voulu te vexer avec le tablier. C'était raté. Au contraire. J'aime bien ces moments où tu fais plus trop d'efforts pour être un homme comme les autres. Excuse-moi. J'ai pas vraiment essayé de comprendre ce que tu ressentais en tant que père. Dis-moi ce que t'as pensé de Marc, même si tu l'as pas aimé. Même si tu te poses des questions que je ne comprends pas. Marc, j'en pense rien, Marc. Comme si mon fils était mort. Merde, c'est ce que je voulais dire. Putain, je voulais le dire. Tu veux quelque chose? T'es conscient que tout le monde te déteste depuis que t'es arrivé sur ce plateau? Bah t'inquiète, c'est réciproque. Hein. J'enchaîne directement avec un autre projet derrière. Si ça te tente, je peux trouver un poste de stagiaire mise en scène. Cache ta joie. Non, mais en fait, j'ai la fac, là, dans un mois. Ouais, alors laisse tomber. Mais ça m'intéresse, quand même, hein. T'es jeune, si tu veux faire des études, c'est important. Mais je suis pas si sûr que ça, de vouloir faire des études, en fait. Ça, y'a que toi qui peux le savoir, hein. On y va? On est prêt pour arriver dessus. Allez, on se met en place pour la répète, s'il vous plaît. C'est quand au juste le moment où la vraie vie de votre enfant commence à vous échapper? C'est quand au juste le jour où l'on décide de ne pas insister parce qu'il ne veut plus vous parler? Je croyais que ça t'avait soulagé de rencontrer Marc. Ça n'efface pas ces années de silence. Et Eric, ils ont arrêté de se voir du jour au lendemain. Oh, il a été malheureux tout seul dans son coin. Il a eu sa première histoire et j'étais pas là. Mais arrête avec ta rengaine, tu sais même pas ce qui s'est passé entre eux. Tiens, passe-moi le pot là. Et avec Guy, c'est de pire en pire. Je crois qu'il va très mal. Il s'enlise dans des problèmes que je peux pas comprendre. C'est comme un gouffre entre nous qui s'agrandit. Il bloque toujours sur la sodomie? Oh, Nicole. Mais le gouffre entre vous, Léa, depuis longtemps. Avant l'histoire avec Jérémy, tu voulais pas le voir. Bon, t'étais folle de Guy, je le sais. Mais ton mariage, au fond, j'ai jamais compris. Merci. Ça te heurte ce que je te dis? Je te demande pas de tout comprendre, Nicole. Mais quand tu me dis comme ça que je me suis trompée toute ma vie en rempotant tes fleurs, et puis ce qu'il y a eu entre Guy et moi, t'en sais rien. Ça s'explique pas forcément avec des mots. Enfin, en tout cas, pas avec les tiens. Salut. Ben, je te rappelle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez rencontré votre belle-fille? Je croyais que Jérémy ne vous intéressait pas. Oh, s'il faut vous prendre avec des pincettes, hein. Vous préférez que je parle de quoi? Du barbecue? Du vomi dans les hortensias? Puisque vous tenez vraiment à savoir, Marc est un homme très bien. Ils ont l'air très heureux. Vous faites pas trop d'illusions, Rosine, ça ne durera pas. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que il nous manquera toujours ce qui fait qu'un couple hétéro peut s'encrouter en paix. Les enfants. Alors bien sûr, il nous reste quand même quelques petits projets en commun. Voyager, décorer un appartement, adopter un labrador, enfin, franchement. Est-ce que ça remplit une vie à deux, ça? Yvan, j'en ai ras-le-bol d'écouter vos horreurs. Vous vouliez mon avis sur l'homosexualité, je vous le donne. Excusez ma naïveté, mais j'ai encore l'espoir que mon fils ne termine pas comme vous, un vieux pédé aigri. Bah, c'est ambiance ici. Et ton tennis du lundi alors? Pas envie.
Le réalisateur, il m'a proposé de me prendre 3 mois sur un tournage à la rentrée, là. T'as la chance de pouvoir faire des études, alors t'en fais. Tiens, après, tu vas être saltimbanque, c'est ton problème. Moi, j'aurais fait mon boulot. Mais putain, on peut au moins en discuter, non? Qu'est-ce qui se passe, hein? Depuis que tu l'as emmené sur ce tournage, ton fils veut arrêter ses études et faire intermittent du spectacle. Mais j'aimerais juste réfléchir et pas laisser passer l'occasion de découvrir un truc qui me plaît. Essayer de réussir ma vie, quoi. Si tu voulais réussir ta vie, fallait commencer par avoir une mention au bac, déjà. Comme Jérémy, hein? Ça t'arrange de le prendre comme exemple. Mais bon, en même temps, t'aimerais pas que je sois trop comme lui non plus, hein? Ce tournage, c'est tout nouveau pour toi, alors c'est normal que ça te plaise. Mais on peut même plus lui parler à l'autre, là. Ce que tu lui as dit sur Jérémy, c'est vraiment pas gentil. Mais c'est bon, j'en ai marre de vos problèmes, moi, avec Jérémy. Et puis j'ai pas envie de faire comme lui. J'ai pas envie d'attendre aussi longtemps pour vivre ma vie, moi. Allô? Oui, bonjour, moi, chérie, c'est maman à l'appareil. Je te dérange pas? Est-ce qu'on peut se voir? Bonjour madame. Bonjour. Vous avez rendez-vous? Non. C'est pour un brushing? Oui, oui. Eric, tu ne me reconnais pas? Je suis la maman de Jérémy. Je déjeunais avec lui tout à l'heure, c'est ta mère qui m'a donné l'adresse du salon. Non mais, moi c'est pas Eric, c'est Alain. Remarquez, on me confond tout le temps, regardez. Ah oui. Vous me suivez, s'il vous plaît? C'est pas pour pousser à la consommation, mais vos cheveux, il y a du boulot. Ah bon? Je vais m'en occuper, j'ai le temps. Je dirais pas à toi, mais c'est très bien. Comme je venais à Paris, j'ai appelé Madame Le Chabre pour lui demander l'adresse du salon d'Éric. Tu te souviens d'Éric? Oui. Il n'était pas là. J'ai beaucoup discuté avec son ami, il est charmant. Hein? C'est lui qui m'a coiffée. Tu sais, avec Éric, je n'ai pas voulu t'en parler, mais je me suis posé des questions. Éric était un copain, maman, c'est tout. Tu as arrêté de le voir si brutalement? Je me suis aperçu qu'il était con. Voilà tout. C'est une bonne raison, non? Oui. Tu ne m'as pas dit ce que vous avez pensé de Marc. Marc? Oui. J'attends un retour de nos avocats de New York. Vous savez le nombre de problèmes que j'ai déjà sur ce dossier. Je suis là dans 45 minutes. On l'a beaucoup apprécié. Tu es sûr, hein? Oui. Parce que j'ai trouvé papa bizarre. Non, mais il est préoccupé en ce moment. Robin veut arrêter ses études et partir sur un tournage. Quel idiot. Tu sais ce que tu prends? Une mère peut supporter de laisser une distance effroyable s'installer entre son fils et elle, parce qu'elle peut se raccrocher à tout ce qui fait son identité de femme. Qui l'aime et la comprend. Un travail passionnant et des collègues attentionnés. Des copines avec qui rigoler. Mais quand tout ça a disparu, est-ce que ce n'est pas le signal d'alarme qui avertit une femme qu'il est temps de reprendre sa vie en main? Je ne l'ai pas dit, mais cette semaine, je suis allée à Paris voir Jérémy pour lui parler de ce qui nous arrive. Mais c'est peut-être à nous de régler le problème, non? Quel problème? Quand Jérémy est né, ces mois de cauchemar, on les a vécus ensemble. Je voulais personne avec moi, sauf toi.
Puis après toutes ces années, malgré nos différences, j'ai toujours voulu être avec toi. Mais quand tu me dis que c'est comme si ton fils était mort, j'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie avec un étranger. Et pourquoi t'acceptes aussi facilement, toi ? Parce que c'est mon fils. Je l'aime. Il est comme il est. Mais toi, t'as changé. Mais toi, t'as pas changé ? Ça fait tellement longtemps que tu t'en rends même pas compte. Depuis la naissance de Jérémy, justement. Elle est où, la fille que j'ai épousée ? Hein ? Celle qui me faisait escalader la barrière du voisin pour faire l'amour dans la piscine, elle est où ? La vache, toute ma vie, je m'en voudrais d'avoir entendu cette conversation. Non, mais vous dérangez pas, pour moi, je reste pas. C'était juste pour vous dire que je vais accepter ce boulot. J'irai pas en fac, finalement. Mais mon chéri, même ton frère trouve que c'est une mauvaise idée. Si tu veux vraiment faire du cinéma, il y a sûrement des écoles où tu pourrais t'inscrire et... Laisse tomber, Rosine, au point où on en est. J'ai tout fait pour que mes fils réussissent. Résultat, un intermittent et un PD. Guy. Oh, ça va. Attends, il a toujours été aussi con, je m'en étais pas rendu compte avant. Mais il est en train de pisser dans le jardin, là. Je crois que ton père fait une grave dépression. Tu parles, il est rattrapé par son destin, ouais. Il est enfin devenu le gros beauf qu'il aurait dû être, c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive, Guy ? C'est pas toi, ça. C'est peut-être tout à fait moi, justement. Ça fait peut-être des années que pour te faire plaisir, j'essaie d'être différent. Guy, ce qu'on traverse en ce moment, c'est notre dernière chance d'être des parents à la hauteur. Arrête de faire la spécialiste du problème. Je suis un mec, moi. Je peux pas faire comme toi. Être ravi que mon fils soit comme ça. Je peux pas. Alors je m'y ferai, un jour, mais en attendant, fous-moi la paix. Hein. Demande-toi plutôt pourquoi de nos deux fils, c'est celui pour qui tu t'es toujours inquiété, celui que t'as toujours protégé, qui est pédé. Alors pour toi, c'est moi qui suis responsable ? Mais oui, mais tes états d'âme, tes angoisses, tes inquiétudes, ta dégaine, c'est un boulet. Tu te demandes pourquoi Jérémy nous a rien dit ? T'as pas compris qu'il voulait pas que tu t'en mêles ? Ça fait des années que j'ai l'impression de te traîner. J'ai plus envie, tu comprends ? C'est pas ta nouvelle coiffure de merde qui va y changer quelque chose. Vous voulez un mouchoir, peut-être ? Est-ce que je vous ai dit au bureau, Yvan ? Pardon. Pourquoi pardon ? C'est vrai, hein ? J'ai un vieux PD aigri. Oh, bah... Non, mais Rosine... Vous savez, j'ai mauvaise réputation, moi, dans cet immeuble. Hein. J'ai tout foutu en l'air. Hein. Allez, rentrez. Je vais prendre vos petites affaires. Allez-y. Oh, bah dis donc, vous avez pris l'argenterie ou quoi ? C'est absurde de vous en vouloir parce que votre fils est homo qui vous l'a pas dit. D'abord, il vous l'a dit. Il n'y a pas d'âge légal pour le faire. Hein ? Vous n'avez donc aucune raison de vous lamenter parce qu'il vous l'a caché. Ben, c'est logique, non ? Et puis vous vous flattez en imaginant être responsable de son homosexualité. Vous rêvez d'être une mère abusive. Vous n'en avez pas les moyens, Rosine. Bon, non, vous êtes trop gentille, trop en retrait. Nicole dit que je suis une passive agressive. Bon, normal. Elle, ça la rassure d'être une agressive active. Et complètement barjot, votre copine. Ah bah oui, là, si vous écoutez vraiment ce qu'elle vous dit, vous êtes foutu. Pour votre mari... Vous savez, moi, les relations de couple... pas tellement ma spécialité. Les relations, en général. De toute façon, pour ça, je suis nul. Vous êtes un collègue irritant, mais c'est très stimulant d'être avec vous, Yvan. Vous savez pourquoi votre fils finira jamais comme moi ?
parce qu'il a une mère formidable. Et vous savez, je crois que quand on prend l'habitude comme ça, très tôt, d'aimer, d'être aimé, bah, je crois qu'on peut plus s'en passer. Quelle différence que ce soit avec un homme, une femme, de quel à poil ras. Hein. Et vous, vos parents? Évidemment, j'aurais voulu qu'ils aient tous les défauts du monde. Comme les bons parents. Bah, ils étaient juste décevants. Il n'y a pas pire. Vous en êtes très bien sorti. Je vous trouve merveilleux. Mais, vous savez que vous êtes une vraie fille à pédé, vous. Pour moi, ce soir, je sors avec des copains à Paris. Vous pouvez rester ici. Merci. Remarquez, il est peut-être temps d'aller exhiber votre nouvelle coiffure. Vous allez voir, ils sont très sympas. Vous laissez 5 minutes pour vous réveiller? Oh, ça va, ça va. Eh oui, c'est fini le look épagnol breton qui s'est secoué après un bon bain. Bon, à partir de maintenant, c'est brushing tous les matins et le coiffeur une fois par semaine, comme Madame Le Charme. Hein? Vous qui me prenez pour une vierge effarouchée. Ok, la prochaine fois, je vous emmène dans un bar cuir. Vous croyez que Jérémy et son ami viennent ici quelquefois? Oh, qu'est-ce que j'en sais, ma brave dame. Et voilà. Merci. C'est joli, ces couleurs. Oh, mais non, je t'avais dit de pas la faire boire. Oh, mais qu'elle est possessive, celle-là, alors. Il faut ménager Rosine. Ouais, elle vient d'avoir un grand drame dans sa vie de maman. Mon grand garçon nous a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il avait un ami. Oh mon Dieu, quelle horreur! Bah vas-y, va le rejoindre. Ça te mettra de meilleure humeur. Oh, ça fait une heure que vous vous matez, là. Tu vas tout faire foirer si tu continues. Je suis venu avec Rosine. Et alors, elle est grande, non? Tu crois qu'elle a besoin d'un chaperon? Rosine? Allez vous amuser. Oh. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Bonne chance. Je peux vous poser une question indiscrète? Je vous en prie, allez-y. Ça n'a pas été trop dur pour vous d'accepter votre homosexualité? Très dur. J'aime beaucoup trop les femmes. Je crois que je me sens pas très bien. Ça va? Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Un peu d'air frais, ça fait du bien. Ah. Qu'est-ce que vous faites ici si vous êtes pas gay? Et vous? On marche un peu? Oui, Yvan. Oh, Yvan, vous l'avez bien vu avec l'autre type tout à l'heure. Pour lui, vous n'existez plus. Mais vous en faites pas, je vais vous reconduire à votre hôtel. D'accord? J'ai 50 ans.
mariée, j'ai des enfants. C'est une femme, Rosie. Vous avez un charme fou. Vous êtes seule avec moi au bord de l'eau à 5h du matin. Je vous trouve tellement belle. Se sent une autre femme. Ou plutôt, une femme qu'on avait oublié d'être depuis très longtemps. Allô? Allô, Jérémy? C'est maman à l'appareil. Excuse-moi de te déranger, je sais qu'il est très tôt, mais j'ai besoin de te parler. Tu es là. Papa t'a cherché toute la nuit, Robin a disparu. Il était à théâtre, il s'est tiré avec. Qu'est-ce qui vous prend, là? Vous avez tous pété un plomb, quoi? Le problème des moments rares où on est une autre, c'est qu'ils ne durent jamais longtemps. Et quand on redevient soi-même, on peut le payer très cher. Qu'est-ce que tu foutais? J'aimerais bien qu'on me dise ce qui se passe. Jérémy, je vais prendre mon train, là. Je te rappelle quand je suis arrivée. Depuis ce week-end où tu es venu nous le dire, il n'y a plus rien qui va. Fais pas cette tête là, hein? Sur les deux, il y en a déjà une de retrouvée. Ce serait tellement simple qu'un problème de famille, ce soit comme une équation à résoudre. Allez, arrête de te torturer comme ça. Ma mère a quand même sous-entendu que j'étais responsable de ce qui leur arrivait. Et alors, qu'est-ce que tu croyais? Que ton coming out allait se passer comme ça, sans aucun problème? Ils sont venus déjeuner. Toi-même, tu disais que ça s'était plutôt bien passé. Ils sont passés de « j'ai un fils célibataire qui travaille dans la finance » à « j'ai un fils pédé qui vit dans un loft avec des photos de ses fesses sur les murs prises par son mec ». On reconnaît que c'est un peu violent quand même. Je passe ma vie à anticiper des chiffres, des résultats. J'ai même pas été foutu d'anticiper leur réaction, c'est nul. Ah non, c'est pas nul, c'est humain. Heureusement que tu calcules pas aussi les sentiments. C'est ça qui serait flippant. Parents barjots sur frères irresponsables multipliés par coming out raté égale... Équation familiale impossible à résoudre. T'es au courant que tout le monde te cherche partout? Bah tu vois, je suis là. Mais qu'est-ce que tu foutais? T'étais où? J'étais en boîte et après un after. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes tous devenus cinglés ou quoi? Bon, et toi le robot de ta gueule, hein. Bon, et ça, hey, va, hein? Ça va, du calme. Salut, moi c'est Marc. Personnellement, moi je l'appelle Goldorak. Waouh, putain, l'appart, c'est méga genre chez vous. Mais non, il a pas mis de pète à la voiture. Je te sers. Moi, je t'aime. Ouais, écoute, t'inquiète pas, je te le renvoie, d'accord? Oui, oui, je t'embrasse. Bon, j'ai calmé papa. Tu vas te reposer un peu, et dès que tu te réveilles, tu repars. Ah non, non, mais moi, je retourne pas les voir, les deux, là. Ils ont trop disjoncté, hein. T'as pas le choix, tu ramènes la voiture. Mais attends, t'as qu'à y aller toi, c'est quand même ta faute tout ce bordel, non? On pourra enfin m'expliquer en quoi ce serait de ma faute, hein? T'as toujours pas compris, hein. Mais t'es pas si intelligent que ça, en fait. Hein. Vivre dans ton ombre, c'est bon, c'est même parfois assez cool. Mais bon, depuis ton scoop, là, ça a pris des proportions. Arrête un peu, il t'aime autant. Non, hein. Mais attends, aucun parent n'avouera jamais préférer un de ses enfants. Pourtant, dans la réalité... Mais en fait, t'as de la chance d'être pédé, hein. Parce qu'au moins, c'est clair, t'es pas comme ils le voulaient, ils peuvent rien y faire. Moi, ils sont toujours persuadés qu'ils peuvent me modeler. Arrêter la fac pour ce tournage, ce serait absurde. Mais j'ai 18 ans, putain! J'ai toute la vie devant moi, je peux quand même prendre un an pour essayer. Ton esprit a encore besoin d'être formé, ça sert aussi à ça, les études. Ah, c'est sûr, toi, ça a vachement bien formé. Je te rappelle que t'as mis 30 ans pour dire à tes parents qui t'étaient vraiment.
Bon, puis de toute façon, moi, j'en ai marre de ces prises de tête. Faites ce que vous voulez, j'ai pas le sommeil léger. Ah ben, dis donc. C'est une nature, ton frère, hein. Si j'étais toi, je m'en ferais pas trop pour lui. Mais je crois que tu devrais aller voir tes parents. Je pense qu'ils méritent que tu leur donnes un peu de ton temps, non? Robin, chez Jérémy. Il est allé à Paris, lui. Je peux savoir où toi t'étais? À Paris. Ah! Une destination à la mode en ce moment. J'étais avec un homme. Je l'ai embrassé. Voilà, tu sais tout. Rosine! Papa, maman, je suis homo. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Trop dur. Papa, maman, je vous aime. Je ne voulais pas vous blesser, j'aurais dû prendre le temps de vous annoncer. Putain de bordel de merde de radar de mes couilles! Bon, on n'est pas là? Non. Je crois qu'il faut qu'on parle. Vas-y. Tous ensemble. Elle est pas là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes tiré. T'es pas au courant? Vas-y, dis ce que t'as à dire. Je sais que... Coming out, ça n'a pas été... T'as dit qu'hier, elle était avec un type? Pardon? Ta mère. Elle a passé la nuit à Paris avec un mec. Tu rêves. Tu sais ça? Elle me l'a dit. Elle a essayé de me faire gober qu'ils étaient juste embrassés. Elle me prend pour un débile ou quoi? Je suis sûr que c'est pas grave. Elle veut divorcer. Tu veux que j'aille lui parler? Ah non, surtout pas. Elle est chez Nicole? Elle est chez Yvan. Un collègue du journal. Tu sais où c'est? Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je suis le fils de Rosine. Oui, ben je sais qui vous êtes. Si vous croyez que j'ai pas vu les 200 photos qui prennent la poussière sur le bureau de votre mère... Elle est là? Suivez-moi. Elle est dans la salle de bain. Je peux l'attendre? Non, installez-vous. Peut-être mis en photo, hein. Merci. De vous occuper d'elle, merci. Ah. Elle m'horripile, mais je l'adore. Yvan, vous me parlez? Rosine n'est pas là? Non. Oh, elle en a oublié une paire un jour chez moi, comme ça, dans le jardin. Même en rentrant chez elle, elle s'en est pas aperçue. C'est dangereux de conduire pieds nus. Mais elle est dangereuse en voiture, c'est sûr. Je crois qu'elle m'a vu au marché et qu'elle m'évitait. C'est un petit peu anglais. Ça va pas bien en ce moment, tu sais. Ouais, bien sûr, tu sais.
Je m'occupe un petit peu trop de vos histoires, non? En épousant Rosine, j'étais condamnée à devoir souvent. Vous savez ce que je faisais. Peut-être que mes histoires sont beaucoup moins intéressantes que les vôtres, finalement. Et puis, on est bien chez vous. Merci, j'ai arrêté. Oh, vache. On ne sera jamais sur la même longueur d'onde. Pourquoi tu m'as pas parlé de vos difficultés avant? Mais tu crois que c'est facile de te parler quand tu te pointes fermé comme une huître et que ton téléphone n'arrête pas de sonner? Et puis pourquoi est-ce que je répondrai à tes questions? T'as répondu aux miennes pendant toutes ces années? Je suis là maintenant. On peut parler, non? Avec cet homme, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il était là. Il était gentil. On s'est parlé toute la nuit, je l'ai embrassé. Ça fait des années que j'ai pas vécu un moment pareil avec ton père. Ça sert à quoi d'être ensemble sans ça? Au fond, que tu nous dises la vérité, ça sert bien à me faire comprendre que ton père et moi, depuis des années, on s'est menti. Ça donne envie de dire la vérité, tiens. T'es vraiment heureux avec lui? Ouais. T'as pas peur que sans enfants, ça dure pas? Est-ce que ça devrait durer juste pour les enfants? Il t'a pas dit quand elle rentrait? Non. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté exactement? On va te faire un résumé, hein. Ça servirait à rien si vous devez parler, c'est entre vous, je crois. Quand tu veux que je lui parle, elle est pas là. Je suis là, moi. Si t'as des questions à me poser, des choses à me dire. Ça me fait quand même plaisir de te voir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider, papa? Tu seras indulgent avec moi, j'espère. J'ai beaucoup perdu, tu sais. Ça tombe bien. Je suis pas d'humeur à me faire massacrer. Hein? Vous aviez réservé? Non, 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 mais on voulait pas vous déranger. Vous dérangez pas? Bah, allez, venez, c'est trop bête, qu'est-ce qui vous prend? Venez! Ça va? On attaque direct. T'as beaucoup perdu, hein, enfoiré. Que me dit aussi mon président? Je joue avec lui tous les jeudis. Ouais, on va marrer vous deux. Ouais. Hein? Allô? Ah, alors, comment ça se passe? Ouais, ça va, il y a de l'ambiance chez vous. Pas comme ici. Hé, hey, Jerry. Et au fait, moi aussi, la photo de tes fesses, c'est ma préférée. C'est pas vrai, tu l'as raconté? Ah oui, ça l'a bien fait rire. Alors, et toi? Je t'ai pas demandé comment ça allait. Super. Écoute, je suis tout seul, là, dans ma vieille chambre d'ado. En face d'un vieux poster de Wham. Ah bah dis donc, moi j'étais pas un matheux, mais au moins... Même quand j'étais ado, j'avais bon goût en musique. Hein. Et tes parents? Écoute, ma mère est toujours pas rentrée à la maison. Pourtant, on a bien parlé. Et mon père, c'est plutôt difficile de lui faire aligner deux mots. Ça me fait bizarre d'être ici. J'ai passé tellement de temps à bosser dans cette chambre.
J'aime bien penser à ce que tu pouvais y faire tout seul aussi, dans cette chambre. Rêve pas. Même ça, je le planifie en fonction de mes révisions. C'est dingue. En fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment commencé à vivre depuis pas longtemps. Depuis que je t'ai rencontré. Moi aussi, je t'aime. Dors bien. Ton tablier. J'ai jeté. Il était trop vieux. C'est les fleurs que t'assumais plus. Ah, il y a un âge, connement. On recommence à être moins sûr de soi. Tu sais, au fond, ta mère, parfois, je l'envie. Pas moi. Elle est trop désorganisée. Faut être très fort pour pas avoir peur du désordre. Je parle pas des tâches ménagères. C'est beau me démener pour faire croire que j'assure que je suis à la hauteur. Sur le fond, je me fais pas d'illusions. Elle est plus intelligente que moi. Même si ça se voit pas. Ça a été tellement naturel pour elle. Ça a l'air tellement facile pour une femme, parfois, d'aimer ses enfants tels qu'ils sont. T'as raconté ce que j'ai dit après avoir rencontré Marc? Non. Tu vois, elle veut pas t'enfoncer. J'ai dit que pour moi, c'était comme si t'étais mort. T'as raison, je suis mort. Celui que tu voulais que je sois, il est mort. Et moi, je suis là. Bien vivant. Et un peu mort de faim. Je vais chercher l'humain. Ça fait 10 minutes que t'es là. Cette bouteille pour un deuil, c'est pas mal aussi. Hein? J'avais peur que vous soyez déjà à la gare. On a encore un quart d'heure. Avec tout ça, on n'a même pas parlé de Robin. Comme d'habitude. Je trouve ça plutôt pas mal, moi, qu'il ait envie d'essayer tout de suite quelque chose qui lui plaît vraiment, non? Franchement, il est plus doué que moi pour le bonheur, hein. Je suis bien arrivé. Ça serait bien si vous lui faisiez un petit peu plus confiance, non? C'est bizarre. C'est grâce à ce qu'il y a eu entre eux qu'on existe. Mais en même temps, vient un moment où ce qu'il y a entre eux, ça ne vous regarde plus vraiment. Mmh. Mmh. Mmh.